Bon, du coup, je vais vous faire un topo. Je suis arrivée il y a un peu moins d'une semaine. Je suis partie le dimanche après une grosse soirée et en gueule de bois, je dois dire. Donc l'aéroport est juste à côté de Kitu Kiblu. Donc Kitu Kiblu, c'est le camp dans lequel je suis. Bienvenue à Kitu Kiblu. Là, il y a la Gear Hut. Donc c'est là où on range tout le matériel de plongée pour aller voir les requins baleines. Ici, c'est l'accueil. Puis derrière, il y a la salle de restauration où le matin, on fait un petit briefing pour les guests. Là, c'est les chambres des internes. Donc là, c'est la mienne. Il nous a été conseillé de ne pas laisser nos affaires sur les étagères parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'insectes qui peuvent déposer leurs larves. Et du coup, là-bas, c'est la mer. Et après, autour, il y a d'autres maisons pour les guests. Et maintenant, je vais vous montrer la salle de bain.
Il y a plusieurs toilettes qui sont plutôt plutôt chic. On a des vraies toilettes, donc ça c'est plutôt cool. Et la douche, pareil, très agréablement surprise. Il y en a deux ici. Et en fait, c'est une vraie douche quoi. Et on peut même chauffer là. On peut allumer ça et le placer en dessous. Et en fait, ça fait chauffer là. Et en appuyant sur cette valve, on a de l'eau chaude. Donc c'est quand même très sympa. Du coup, il y a un accès direct à la plage. C'est marée basse pour le moment. Là, il y a les mangroves. Ce ponton là, on doit passer devant à chaque fois qu'on va voir les requins baleines parce qu'il faut des permis pour chaque personne. Et du coup, c'est pour qu'ils vérifient le nombre de personnes et qu'ils vérifient si on a bien payé les permis. Et voici le bar. Très sympa. Ici, le soir, il y a le serveur du soir qui met sa musique. C'est pas beaucoup éclairé, mais on peut voir le coucher de soleil de là-haut. Et dans ce camp, il y a des stagiaires et des guests. Et en fait, les stagiaires s'occupent des guests, c'est-à-dire que tous les matins, s'il y a des gens qui ont réservé pour aller voir les requins baleines, c'est les internes qui vont les amener, les guider, leur faire des... Désolée, il y a plein de fourmis qui me montent dessus. Je vais peut-être marcher en même temps. Faire des présentations sur les requins baleines. Vous pouvez voir la plage en même temps. Donc voilà, moi pour l'instant j'y suis allée deux fois. La première fois c'était le premier jour et on n'en a pas vu et il a fait que pleuvoir. Donc c'était pas un premier jour très agréable, je dois dire. On est resté 7 heures sur l'eau parce qu'en fait on part à 7h30. Et on part à 7h30 et après on y reste jusqu'à 12h30 normalement, mais plus tard quand on n'en trouve pas en fait, parce que le but c'est quand même que les guests en ont pour leur argent. Donc voilà, on était resté très longtemps et le deuxième jour on y retourne et là... Et là, on en a vu, mais malheureusement, j'ai eu le mal de mer, donc j'étais vraiment pas dans mon assiette. J'en ai quand même vu deux, c'était super, super beau. Il y avait pas mal de touristes, d'autres bateaux, qui en fait n'ont pas les mêmes règles que nous. C'est-à-dire que nous, c'est un peu de l'écotourisme responsable. Donc les guests, on leur fait tout un briefing sur comment se comporter pour pas effrayer les requins baleines, etc. Et les autres n'ont pas ce briefing-là.
Du coup, on se retrouve avec des gens qui font des éclaboussures partout, qui touchent les requins-baleines. Il y en a même un qui est allé sur le dos d'un requin-baleine. Donc voilà. Mais il faut faire avec et il faut espérer que les touristes viennent plus à Kituki Blue que dans d'autres structures. Et voilà, donc je suis arrivée. Mes premiers jours étaient assez difficiles. J'ai été malade. L'adaptation est pas facile, mais je vais persévérer. Sinon, pour vous parler un peu plus de la vie sur le camp, il y a quand même un truc hyper positif, c'est que les internes qui sont là, il y en a trois. Ici, Basile et Léna. Ils sont super sympas, j'ai été super bien accueillie par eux. Voilà, à l'après-midi, quand ils sont revenus du bateau, on chill, on organise un peu leurs projets environnementaux. Parce qu'en fait je suis manager. Je savais pas que j'allais être manager, mais je suis manager, donc faut que je les cadre quand même un peu. On regarde le coucher de soleil, on va en ville pour aller boire un coup. Après on rentre avec ce qu'ils appellent des beda-beda, donc c'est en gros des taxis moto. Voilà, les gens sont très sympas. C'est un peu dur de communiquer puisque je parle pas Swahili, mais j'apprends quelques mots. Et voilà, sur le camp aussi, on partage notre vie avec des corbeaux, beaucoup de corbeaux, et des singes qui sont assez couillus, car le matin, ils peuvent carrément venir sur la table. J'ai aussi participé à une réunion avec toutes les parties prenantes de l'île avec lesquelles je vais travailler. Donc, j'ai pu rencontrer un peu tout le monde, tout le monde était sympa. Donc voilà, c'était une réunion pour présenter des projets, parler un peu plus du projet de corail, voir comment chacun pouvait s'entraider. Donc j'ai principalement écouté, mais c'était intéressant. Et après j'ai eu la chance de pouvoir aller déjeuner sur la petite île, du coup Cholet Island, qui est de l'autre côté, dans le parc marin. Donc j'ai déjeuné là-bas. C'était très sympa. Oh, there is not the sand bank. No, it's high tide. Je peins pour mille et une raisons. Là où je vivrai toutes les saisons. Ce soir j'abandonne ma maison. J'irai m'allonger sous le buisson. Je quitte ma ville pour retrouver mon coin près du ruisseau. Suivre son fil, j'ai apaisé par le chant des oiseaux. Enfin tranquille, tranquille, où la nature écrit au pinceau. Je quitte ma ville en sachant que je vous reverrai bientôt. Mon passage ici fut tellement rempli, autant de belles histoires que de bons amis. Une famille qui m'aimait, que j'aimais aussi, quelques jolies femmes et surtout celles de ma vie. La musique m'a comblé, j'ai même joué à Bercy. Contempler les paysages de si beaux pays. Ce soir toutes ces images défilent au ralenti. Voilà pourquoi j'ai juste envie de dire merci. Je pars pour mille et une raisons, là où je vivrai toutes les saisons. Ce soir j'abandonne ma maison, j'irai m'allonger sous le buisson. Je quitte ma ville pour retrouver mon coin près du ruisseau. Suivre son fil, et j'ai apaisé par le chant des oiseaux. Enfin tranquille, tranquille, où la nature écrit au pinceau. Je quitte ma ville en sachant que je vous reverrai bientôt. Allez, souriez-vous qui étiez si beau. Faites mes amitiés aux collègues du boulot. Trinquez à ma santé.